Le cheval est comme il est et il ne permet aucune tricherie. On ne maîtrise pas le cheval, mais il nous apprend à nous maîtriser et puis à le comprendre. En fait, c'est une ouverture vers le monde, le cheval. Cadre d'un cours, un bon praticien du cheval est venu montrer, illustrer une méthode de travail. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est génial comme idée, mais si on veut la développer, il faut être professionnel. Voilà, ben, j'ai acheté un cheval que j'ai revendu qui n'allait pas, et puis je suis parti en Belgique me former ensuite. C'est un cheval de travail, de somme, de rente. C'est un animal qui a un sang-froid, un caractère très placide, très calme à la base. Il peut devenir extrêmement nerveux dans des circonstances particulières, mais c'est quand même un cheval qui est orienté vers le travail routinier, le travail répétitif. Un cheval qui reste à l'écurie et s'ennuie n'a plus son rôle social, n'a plus sa place, et le cheval trouve sa place dans le travail. C'est des athlètes, je dirais, de haut niveau. C'est des chevaux qui ont besoin tout le temps d'activité. C'est des chevaux qui mériteraient encore plus d'entraînement que je leur propose. Idéalement, ils devraient travailler 7 jours sur 7. On a le souci de débroussailler ces clairières, de les ouvrir à nouveau. Et là, le cheval, effectivement, c'est une solution formidable parce qu'il fait très peu de dégâts en se déplaçant. En plus, il passe vraiment partout. C'est un vrai chamois. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Alors là, le cheval est vraiment compétitif, il est rapide. Ça mérite qu'on se pose à chaque fois la question, est-ce que le cheval n'est pas quand même la bonne solution dans ce chantier-là ?